Dream City est une marche. Il s'est construit autour du corps. La réflexion autour du corps citoyen, qui était totalement absent et inerte, sans vie sur son espace public, qui a été confisqué par le politique. C'est pourquoi Dream City a pris place un 7 novembre 2007. C'était un putsch artistique, donc vraiment une réaction 20 ans après le coup d'État de Ben Ali. Là, au bout de 10 ans, je me rends compte qu'on est face à un paysage humain, social, pluriel, et qui crée un véritable dialogue. Alors, dialogue de l'artiste avec sa ville, mais dialogue des populations entre elles, donc vraiment abolir les frontières dans une ville.